Rebonjour tout le monde, c'est mon deuxième tirage, on est toujours le 1er mai. J'avais envie de vous faire une petite vidéo, alors ce sera peut-être un tirage éclair par rapport à celui que vous adorez. On va demander s'il va vraiment rester 3 ans. Allez. Hein, c'est bien de refaire le point sur lui de temps en temps. Alors j'ai pas sa tronche, j'allais dire sa bouille, non, sa tronche. Sa tronche de cake. Sa tronche de sale type. Mais c'est bon, je l'ai en tête. Donc, je n'ai pas besoin, finalement, d'avoir deux photos. Bon. Bon, vous avez compris de qui je parlais, hein? D'accord? Alors, va-t-il rester encore 3 ans? Allez, va-t-il faire ses 3 ans? Parce qu'en 7 ans, vous avez vu les dégâts qu'il a fait. J'aurais dû l'appeler Attila. Attila, voilà. Pas Caligula, mais Attila. Là où il passe, l'herbe ne repousse pas. Mais c'est vraiment ça, hein? Le destructeur. Bon, alors, est-ce qu'il va nous faire ses 3 ans, lui? Est-ce qu'il va rester encore 3 ans? Parce que j'ai l'impression qu'il est comme les chats, il a 9 vies, vous voyez? Il devrait déjà être épuisé, là. Eh ben non. Allez, pourquoi je dis ça? Ben, parce qu'il prend de la farine, donc normalement, au bout d'un moment, ça va plus. Mais j'ai l'impression que lui, il a... Voilà, il est remonté, on le remonte, et hop, vous savez, comme le lapin qui pile du racel, là, pour les plus âgés. Voilà. Bon, enfin, ouais, vous avez compris. Alors, les médias qui font la loi. Oui, bon, bah, ça, de toute façon, bon. Est-ce qu'il va rester 3 ans? Ouais, pour l'instant, il y a les médias pour lui. Bah, c'est ça le problème, hein. Alors, est-ce qu'il va rester pendant, est-ce qu'il va faire ses 3 ans? En gros, c'est, va-t-il rester jusqu'à la fin de son mandat? Alors. Ah, l'étranger, la clé. Ah, ça, une femme. Ah, tiens, j'ai la foi. J'ai la foi, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Mais là, j'ai l'église qui est sortie. Les prières. Alors, ça peut être les prières des gens qui veulent qu'ils partent. Hein. Là, j'ai une femme qui a un visage, vous voyez, coupé en deux. Donc, elle partie, côté maléfique, ici. Bon, alors, attendez, ça n'a pas répondu à la question. Est-ce qu'il va rester jusqu'à la fin? Regardez. Ah, mais c'est marrant. Regardez. Ouais, attendez. Je vais vous dire après. Ouais. Ah, ouais. Ah, c'est fou. Alors, j'ai des choses intéressantes. Est-ce qu'il va rester jusqu'à la fin? Écoutez, moi, j'ai passeport et j'ai un endroit de retraite. Donc, a priori, j'ai envie de dire qu'il devrait partir au loin, se mettre en retrait. Hein, parce que là, je suis sur... voilà. Enfin, sur lui. Vous avez compris, quoi. Je suis sur sa photo, là, son idée. Là, les gens, il y a des gens qui rêvent. Il y a des gens qui rêvent pour trouver une solution. Il y a de la colère par rapport à une femme qui a un double visage, là. OK. Et là, j'ai des histoires de plans ou de calculs. Ok, on va regarder ce que c'est, ça. Alors, pourquoi une femme? Pourquoi une femme a deux visages? Et venez pas me raconter qu'il a été, il est né femme, nanana, nanana. C'est des grosses bêtises. Arrêtez d'écouter n'importe quoi. Hein. Franchement, c'est un peu énervant, parfois. On vous dit quelque chose, et sans preuve, vous y croyez. Mais attendez d'avoir les preuves, quoi. Hein, pour Brimich, on a beaucoup de preuves. Vraiment. Mais pour l'autre, là, on n'a jamais dit qu'il était né femme. C'est n'importe quoi. Non, moi, je n'y crois pas une seconde. Arrêtez d'écouter ces soi-disant médiums qui vous disent n'importe quoi. Non. On a des photos de lui quand il était beaucoup plus jeune, qu'il était enfant. Voilà. Bon. Point. Et il a toute la carrure d'un homme, quoi. Donc, j'en ai un peu marre de ces délires. Hein. Il faut rester quand même aussi un petit peu... pragmatique, un petit peu réaliste, j'ai envie de dire. Bon, alors, il ne faut pas que je me déconcentre, moi, du coup. Bien, on va demander. Est-ce que c'est lui qui va se mettre à l'abri à l'étranger? Parce que ça, ça peut, hein. Ça peut être ça. Qui c'est qui rêve, là? Il y a quelqu'un qui rêve. Alors, ça peut être lui qui rêve, hein, de partir, hein, pourquoi pas. Pourquoi il y a de la colère par rapport à une femme aux deux visages? Et là, il y a un plan par rapport à une foi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mais écoutez, moi, c'est quand même incroyable. Moi, je vous ressors tout le temps la même chose. Tout le temps. À chaque fois, je vous dis qu'il va avoir un problème de santé et qu'il va devoir se mettre en retrait.
Eh bien, écoutez, mon jeu me dit la même chose. Et là, il me dit qu'il va devoir aussi en même temps partir à l'étranger, se mettre en retrait parce qu'il est malade. J'ai toujours la même chose. Bon. Ici, on a une femme. Alors, une femme âgée. Bon. Alors, qui c'est? Est-ce que c'est Bribiche? Parce que c'est quand même l'apparence d'une femme. Enfin, bref. Donc, ça pourrait être elle, lui, qui a une solution. Ou alors, c'est une autre femme. Je ne sais pas. Mais c'est une femme qui n'est, qui a, normalement, qui a dépassé la soixantaine. Hein, d'accord? Ou qui n'en est pas loin. Avec des cartes comme ça. On va voir. Il y a des histoires d'apporter une solution, là. Quelqu'un qui rêve. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Une séparation avec une femme qui a un double visage. Bon, ça peut être Brimiche, par contre. Il y a de la colère. OK. Et là. Ah! Alors, ça va vous plaire quand même. Bon, il y a des gens ici qui ont la foi, qui espèrent, qui font des plans, qui font des calculs pour que leur vœu se réalise. Leur vœu de quoi? Ben, leur vœu que l'autre il fasse passer 3 ans, tout simplement, puisqu'on est sur ce sujet-là. Il y a des gens qui travaillent dans l'ombre. Alors, il faut pas que trop j'en dise de trop, parce que moi, j'ai l'impression que l'autre fou, là, à chaque fois qu'on dit quelque chose, il nous écoute. Alors, peut-être pas moi, mais je crois qu'il a antenne voyant, ou alors... ou alors, ouais, peut-être qu'il a ses propres voyants. Hein. Mais je crois aussi vraiment qu'on est beaucoup écoutés. Parce que c'est bizarre, à un moment donné, on était tous et toutes en train de dire, il va lui arriver un truc, il va lui arriver un truc. Et puis, curieusement, pouf! Monsieur se déplace avec une armée autour de lui et avec un gilet pare-balles. C'est quand même bizarre, non? Et là, ben donc il ne faut pas trop le prévenir. Mais moi, je pense qu'il y a des choses qui se font ici. Des plans, des calculs, des gens intelligents qui essaient de prier pour que leur vœu que monsieur s'en aille se réalise. Bon. Donc pour moi, en résumé, oui, du fait d'un problème de santé, il va devoir partir à l'étranger. C'est sorti là tout de suite. C'est juste cette femme là, je ne sais pas qui c'est. Est-ce que c'est une femme qui pourrait prendre la suite ou une femme qui va apporter une solution? C'est qui cette femme là? Il y a quelqu'un qui apporte une solution, mais qui est face à un choix. Ah, un passage de relais. Alors, attendez, c'est intéressant cette carte là. Il y a un passage de relais là. On passe le relais à quelqu'un. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui prendrait, par exemple, la succession de qui vous savez? Ah oui, alors une femme âgée. Ben, j'ai sorti une femme âgée, moi. Qu'est-ce que ça vient faire là? Oui, donc s'il s'en va, oui. S'il finit pas ses 3 ans, oui. Quelqu'un prendrait le relais, absolument. Alors, par contre. Par contre, c'est bizarre parce que j'ai une femme et j'ai un homme. Qui c'est cette femme? Ouais. Ça se complique un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui va prendre le relais. Voilà, c'est ça. Il y a quelqu'un d'autre qui va prendre le relais. Qui pourrait être apporté par une femme d'ailleurs plus âgée. Ouais. Qui pourrait être mis en avant par une femme plus âgée qui apporterait la solution. Voilà. Mais ce serait un jeune homme. Un jeune homme, mais qui aurait un double visage. Alors attention au prochain qui va arriver. D'accord? Pour l'instant, je ne sais pas de qui il s'agit. On ne va pas donner de nom. Hein. Mais il y a une espèce de bande de voyous, là, ou de jeunes gens. Il fait partie d'une bande de jeunes gens, ou peut-être un parti politique avec des jeunes, hein, vous voyez? Et il serait mis en avant par une femme plus âgée. Voilà, c'est ce que j'ai. Et le passage du relais. On voit bien, oui. J'aime bien cette carte. Oui, elle m'est venue. J'ai une idée par rapport à cette carte. J'avais envie d'avoir une carte de passage de relais. Voilà. Mais attention, ce serait encore quelqu'un qui aurait un double visage. Donc, qui se dirait être animé de bonnes intentions. Et finalement, il ne serait pas bon du tout. Donc, attention au prochain. Hein. Voilà. Alors là, on va regarder qui est cette femme ici qui suscite la colère et qui a un double visage. Là. On va demander de qui s'agit-il? Quelqu'un qui va perdre des papiers. Une bonne nouvelle.
Alors, une bonne nouvelle concernant une femme qui a un visage, un double visage, avec qui il y aura séparation, rupture, et qui va faire preuve de négligence. En tout cas, il y a des papiers qui sont perdus. Ben, je pense que ça peut être Brimich, mais enfin, d'un autre côté, il faut faire attention à ne pas donner de nom. Quelqu'un qui va faire preuve de négligence. Ouais. Y a, pour l'instant, il y a du retard à ce sujet. Moi, je pense que c'est, ça peut être vraiment les révélations concernant, vous voyez, cette femme qui n'en est pas une. D'où le double visage. J'aurais pu mettre un côté homme, un côté femme. D'ailleurs, tiens, je n'ai pas pensé. Ça aurait été un peu compliqué après. Donc, des nouvelles. Et ça va susciter beaucoup de colère. Alors, est-ce que ce serait la révélation d'une identité perdue? Hein? On va demander. Des gens qui travaillent dans l'ombre, des petites fourmis. De l'huile sur le feu, hein, c'est la provocation ou c'est un danger. Ouais, alors pour l'instant, je vois rien d'autre. Il y a des questions quand même de vouloir tout faire exploser, là. Un truc très dangereux. Une femme. Oui. Et un crime. Bon, alors là, ça se gâte, hein. Alors là, j'ai envie de dire que, sans trop donner de détails, parce que après, quand on donne des détails, je me suis aperçue en voyance, on se plante. Il faut rester assez ouvert au niveau des interprétations. Moi, je vois une séparation avec une femme qui a un visage double, qui va montrer en fait son vrai visage, ou qui va révéler son vrai visage, ce qui va susciter de la colère. Alors, ce vrai visage sera révélé du fait de la perte de quelque chose, la perte d'information. Et c'est une bonne chose pour nous. Il y a des histoires de crimes et de violence aussi dans cette histoire. Donc, quelqu'un qui a vraiment un côté maléfique. Hein. Mais pour l'instant, c'est sous retard et ça va vraiment, vraiment mettre le feu aux poudres. Ça va créer une situation explosive avec beaucoup de colère. Alors pourquoi j'ai le crime qui est sorti? Je ne sais pas. J'ai des histoires de violence. Il y a des gens qui travaillent dans l'ombre à apporter des révélations concernant cette personne. Bon, j'ai quand même l'impression que c'est l'autre. On va demander. Est-ce que c'est Brimich? Parce que ça, j'ai l'impression que tout va vers ce personnage. Ouais, il y a des choses qui mettent du temps. Ça peut être ça. Hein. Alors, est-ce que c'est Brimich? Parce que oui, si la vérité se sait à son égard, alors oui, ça va créer beaucoup de colère. Oui. Il y aura séparation. Il ne pourra pas rester, quoi. Et le monde entier le sait. Hein. Il n'y a que la France qui ne le sait pas. Hein. Bon, alors. Ah, encore quelqu'un qui est malade, là. Ouais, affliction, c'est affliction, oui, maladie aussi, mais affliction, déception, tristesse. Ah, il y a des mensonges, hein. Quelqu'un qui va être empêché, qui va être mis à l'arrêt, hein. Ah, ça peut être lui, elle. Ouais, possible. Bon, mais vous voyez que c'est pourquoi je pense à lui. Parce qu'il est effectivement directement en relation avec Caligula. C'est pour ça que ça paraît logique. Et ici, eh ben voilà, on a des gens en fait qui sont en train de prier pour que l'autre y dégage, hein, et veut exaucer quand même. Hein. Et je prie aussi, mais moi je prie pour les enfants quoi, qui souffrent. Voyez, je prie pour les innocents, pour les enfants qui disparaissent. D'ailleurs, il y a encore un petit de 5-6 ans qui a disparu, hein, en Allemagne là. Et pour l'instant, ça fait plus une semaine et voilà, il a disparu, quoi. Enfin bref. Donc c'est pour ça, surtout pour ça que je fais des prières, moi. Hein. Mais bon, il y a des gens qui font aussi des prières pour que l'autre il s'en aille. On va demander à ces gens-là. Alors, la violence. Oui. Alors, c'est la flagellation de Jésus. Ça. Pour l'instant, c'est des gens qui sont tristes. Ah oui, d'accord. Ce sont des gens qui voient toutes les violences qui arrivent dans notre beau pays, hein, et qui sont tristes. Donc c'est ça, en fait. C'est des Français patriotes, quoi, tout simplement. Hein. Voilà. Et ce sont des gens qui, quelque part, vont avoir une aide providentielle qui va faire que leurs vœux
que l'autre fou là dégage. Bon, voilà. Donc petit tirage éclair, j'espère que ça vous a plu. J'aime bien mon jeu, hein. Ouais, la nana qui très contente d'elle. Non, je vous assure, en fait, quand on fait son propre jeu, c'est vrai que, eh bien, je trouve qu'il sort très bien. Il sort, comment dire, il y a une affinité qui se crée entre le jeu et son créateur ou sa créatrice. Voilà. Donc, il sort très bien en consultation, d'ailleurs, je dois dire. Franchement. On va quand même demander à Kate, notre détective en chef. Ah oui, non, vous savez quoi? Vous savez quoi? J'ai mon petit jeu là, la santé. On va demander justement, avant de demander à Kate, si l'autre fou pourrait avoir un problème de santé. Voir ce qui sort. Hein? Alors, est-ce que Caligula pourrait avoir un problème de santé? Attendez, il faut que je me remette en tête. Ouais. Voilà, voir ce qu'il nous dit. La santé de Caligula. Bah, il y a le cerveau, hein. Alors le dentiste peut-être pas. Mais il y a le cerveau qui est sorti. Alors peut-être qu'il faut qu'il aille voir son dentiste, hein. Je ne sais pas. Alors, la santé de Caligula. Ah tiens. Ok. Ouais. J'ai encore en sortir une autre. Oh là là. Alors ça, c'est la plus mauvaise carte, hein. Bon, bah c'est la fin pour lui. Alors, normalement, ça, c'est les problèmes pour les messieurs, spécifiquement. Il n'est pas exclu d'ailleurs qu'il ait aussi un problème à ce niveau-là. Et ça, c'est un problème au niveau du cerveau. C'est quand on commence à oublier des choses. Et en couple, j'avais aussi le cerveau. Oui, j'avais le dentiste, je sais bien, mais enfin, bon. J'avais le cerveau qui était sorti. Hein, je pense qu'il va avoir un problème, vous voyez, oubli. Un problème au niveau des neurones. Alors, il n'est pas encore exclu, encore une fois, qu'il ait aussi un problème au niveau des organes masculins. Mais de toute façon, je me dis que c'est la fin. Voilà. On verra bien. Bon, alors le premier, on ne le saura pas, le second non plus, hein. Bon. Mais Death Hand, c'est pas mal quand même. Là, ça ne va plus, quoi. Je me dis que ça ne va plus. Bon. Voilà. Oui, je voulais demander à Kate. Ah, attendez. Le jeu de Kate, il est là. On va demander ce qu'elle en pense. Hein. Je lui fais un gros bisou si jamais elle m'écoute. Son jeu me parle aussi très bien. Donc c'est toujours bien hein, d'avoir deux jeux. Voilà. C'est très bien aussi si on veut jouer un peu les détectives d'ailleurs. Attendez, j'ai mis deux boîtes. Voilà. C'est un jeu qui est. Qui est nombreuses cartes. Bon, alors, qu'est-ce que peut nous dire Kate? Est-ce que l'autre. Je m'aperçois qu'il fait nuit là, mais c'est quoi cette histoire? Il y avait du soleil et il n'y a plus de soleil. Bon, j'espère que vous verrez suffisamment clair dans la vidéo. Alors, est-ce que l'autre il va finir ses 3 ans? Mais vous avez vu, hein, moi, tout de suite, les premières cartes, c'est non. Hein. Et c'est dans tous mes tirages, j'ai la même chose. Donc. Alors, est-ce qu'il va finir ses 3 ans? Jongler avec. Bon, il y a des histoires de. C'est Men in Black. Ouais. Il y a des histoires de gouves, des histoires d'agents. Ok. Alors, je ne sais pas si c'est des gens pour lui ou des agents contre lui. Des histoires d'informations secrètes. D'accord. Et avec lesquelles il faut jongler. Alors, est-ce qu'il va rester pendant 3 ans? Est-ce qu'il va faire ses 3 ans? On va voir si Kate, elle est d'accord. Nouveau départ. Sévir fermement. École. Alors. Est-ce qu'il va rester pendant 3 ans, Kate? Le monde. Nouveau départ, le monde. Le nouveau départ à l'étranger. Bon, on est d'accord. Ici. Surveillance. Oui. Et là. Le cauchemar. Le cauchemar à l'école. C'est aussi des choses que l'on apprend, qui est un cauchemar. Bon. Vous voyez, les premières cartes montrent que les cartes de Kate disent la même chose que les miennes. Hein. On a alors un nouveau départ à l'étranger. Saisir fermement, moi je pense que là,
Il pourrait être saisi fermement, d'une façon ou d'une autre, mais il est sous surveillance. Donc j'ai l'impression que s'il part, ce ne sera pas de son plein gré. Ce sera parce qu'on l'obligera à partir. Il est sous surveillance. J'ai toujours été mon ressenti. Ouais, non, mais il est complètement fou. Il vit dans son imaginaire. Non, mais il pète les plombs, là. Et je vous avais dit dans Focus sur 2024, il me semble, hein, ou Bonne année Manu, enfin, ou les deux, qu'à un moment donné, ses maîtres allaient le retirer de la scène. Le retirer du devant de la scène parce que il allait tourner en vrille. Hein. Voilà. Ben, c'est un peu ça que j'ai. Ah ben c'est bien lui, hein. Voyez, ça c'est le gouffre. Hein. Bon, d'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cauchemar à l'école? Le cauchemar par rapport à ce qu'on apprend. On voit les choses vues de haut. Ah oui. Bon bah oui, il va y avoir des révélations le concernant, hein. Absolument. Hein. Voyez, c'est la carte des P et des O. Donc, école, cauchemar. Alors, soit il va y avoir des révélations par rapport à ce qu'il a subi quand il était à l'école, par exemple. C'est pas impossible, hein? Des choses sales. Voyez? Ou soit c'est lui qui va être impliqué dans ce genre de choses. En tout cas, il y a des révélations. De ce point de vue-là, des gens qui sont contre lui, qui vont lui faire une espèce de traîtrise ou de. Ouais. Ah, elle a presque la même carte que moi. Des gens qui trafiquent, qui sont en train de, comment dire, de travailler dans l'ombre, voilà. De travailler dans l'ombre pour le coincer quelque part. Ah, moi, je pense qu'il y aura des histoires de chantage. Tiens, on avait la foi tout à l'heure, et là, on a la religion, le cinéma et le désert. Non, mais il va être mis à l'écart, là. Il va être mis à l'écart. Alors, pourquoi j'ai la religion? L'agression. Alors, la religion, l'agression, là par contre, c'est pas Jésus, c'est plutôt les histoires de croyances. Et ça me fait penser vraiment au projet MK. Voilà, on n'ira pas plus loin dans le sujet. Mais il y a des histoires de comment dirais-je, de la truelle, voilà, de gens qui manient la truelle. C'est pour ça que vous avez les religions. Avec les histoires de cinéma et d'agression, voyez. Ça me fait penser au projet MK, mais on n'ira pas plus loin. Donc il y a bien des révélations qui arrivent pour le faire partir. Mais est-ce que nous, on aura les révélations ou bien est-ce que lui, il aura un chantage qui sera mis devant son nez, qui sera du genre tu dégages ou alors on révèle tout ce qu'on sait sur toi et tout ce que tu as fait. Voyez? Là par contre, j'ai l'impression qu'on ne saura pas tout. Il est possible que pour Brimich, on le sache, parce que j'avais la colère tout à l'heure. S'il y a colère, c'est que les gens sont informés. Par contre, en ce qui concerne lui, j'ai un doute. Est-ce qu'on saura la vérité ou est-ce que simplement il y aura, voyez, le genre, bah, je prends ma retraite parce que je suis malade. Ouais, voilà. Hein, vous avez compris. Hein. Est-ce qu'on saura la vérité? Ça viendra des États-Unis. Hein. Ouais, c'est les États, c'est les US qui sont derrière. Là. Qui ont des dossiers secrets sur lui, ou alors il y a des dossiers secrets qui vont sortir. Non, mais je pense que c'est voulu tout ça. Non, ça va être voulu. Ils ont des dossiers secrets. Ouais. Et ils vont faire comme si, voilà, c'est ça. Ils vont faire comme si ça avait été piraté. Mais en fait, ça sert les intérêts des US. Donc apparemment, on devrait le savoir, quoi. Injection. Ah, des choses intéressantes, là. Et enfermé. Bon, bah écoutez, il va être mis de côté. Hein. Bon, donc monsieur devrait partir en retraite, enfermé, avec des injections. Donc je pense qu'il sera mis sous certaines substances, vous voyez, pour son propre bien, n'est-ce pas? Voilà, les deux cartes parlent d'elles-mêmes. Mais ce sera voulu par ses maîtres. Mais je pense qu'on va nous faire le gros mensonge, voilà, piratage, voilà, la vérité sûre. Vous voyez ce genre de choses.
Ok, voilà. Bon, je vais vous mettre ça dans le tirage éclair rapidement. Donc, avant 3 ans, il devrait partir. Alors, le temps, ouais, bah, le temps, quoi. Le temps. Le temps, le temps. Vous voulez vraiment le temps? J'ose plus rien dire, moi, parce que je sais quoi, c'est retardé. Ah, je vais quand même vous prendre mon 32. Allez. Là, j'ai pas le chat qui est là aujourd'hui. Non, mais il dort. Voilà. Il dort. Attendez, je vais chercher mon 32. Je vais vous répondre. Bon, voilà, j'ai retrouvé mon 32. Alors, est-ce que ça va être le départ? Mais moi, dans mon horoscope 2024, je le voyais quand même partir sur 2024. Hein. Mais bon. Mais bon. On va demander. Est-ce qu'il part sur 2024? Alors, figurez-vous que j'ai la vidéo qui a été coupée. Donc, voilà ce que j'ai sorti sur 2024. Rupture, départ. Vous me croirez sur parole. Hein, je ne vais pas refaire le tirage. Départ à l'étranger avec une femme qui n'est pas ce qu'elle semble être. Donc, vous avez compris avec qui. Départ. Et 2025, ben, moi, j'ai une femme. Hein. J'ai une femme qui arrive. Alors, peut-être qu'il y aurait aussi un jeune homme. Enfin, je sais, curieux. J'ai une femme et j'ai encore un homme, là. Voilà. Donc, deux personnes. Deux personnes sur 2025. On en est là. Voilà. Donc, je vous rajoute ça. Et puis, je vais vous poster la vidéo. Et je vous dis encore une fois, à bientôt. Au revoir.